Bien bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu, on va faire un petit bilan de la chaîne depuis le début de cette année, puisque la chaîne a eu un an au mois de mai, très bonne FAQ d'ailleurs. On va refaire peut-être une fin d'année, peut-être, ouais fin d'année sûrement, pourquoi pas, ce serait bien de refaire l'exercice avec d'autres questions, peut-être un peu plus variées. Voilà. Laissez-moi bah, en commentaire si vous êtes chaud pour une deuxième FAQ. Donc, bilan la chaîne depuis maintenant plus d'un an. Donc, au début, j'avais vraiment pas pensé que je ferais une chaîne qui soit très active, parce que si vous voyez le nombre de vidéos qui sort, voilà. Alors, pour les vues, ça. Voilà, mine de rien, le marché YouTube est quand même assez énorme. Et voilà, aujourd'hui sur YouTube, on trouve tout et n'importe quoi. Et donc, il est très difficile de se faire un petit peu, voilà, connaître. Mais j'ai envie de dire, du moment que je me fais plaisir, du moment où vous prenez du plaisir aussi à regarder mes vidéos et à éprouver un certain. Bonheur, je dirais, voilà, une part de bonheur, une part de divertissement, ou voilà ce qu'on peut dire, enfin, voilà, quand moi j'aime le faire, je le ferai. Voilà. Il peut y avoir 40 abonnés ou 40 000 abonnés, jusqu'à le jour où je me dis, je me fais plaisir, j'arrêterai. Seulement, je suis très têtu, je suis très têtu, je vais être énormément patient. Beaucoup de choses, même des fois trop patient, et je peux aller au-delà de ce que je pense pouvoir être capable. Bon, tant il me fait plaisir, on fera la chaîne. Voilà, donc pour au niveau de savoir, il n'y a pas beaucoup vu ou pas, est-ce que j'arrête? Non, pour l'instant, j'arrêterai pas. Que ça soit bien clair, je regarde l'œil de la caméra et je vous dis. Bilan de la chaîne en général, il y a de bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. Bon commentaire. Il commence à y avoir un peu un échange entre les viewers. Ouais, voilà, donc, un échange entre ceux qui regardent la chaîne. Bon, moi, ça me fait plaisir. Je réponds pas souvent aux messages, puisque. Voilà, je fais ma vidéo, on me donne l'avis, je vais pas revenir un petit peu sur en disant oui, mais voilà, j'ai fait ci parce que voilà, la vidéo est là pour témoigner de ce que je dis, donc je ne vais pas répondre, à part s'il y a des commentaires un peu plus personnels ou un peu plus diversifiés, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Et donc, moi, il y a un échange entre les personnes qui regardent la chaîne, ça, je trouve que ça donne un côté encore plus chaleureux, puisque je suis quand même quelqu'un qui aime bien la sociale, malgré le fait que là je suis seul et je suis même très bien où je suis. Voir si je peux installer ma petite salle à manger par là, la salle de bain. Elle est super grande, ma salle de bain. Hein. Elle est, franchement, une salle de bain comme ça. Et en plus, il y a même sûrement à manger dedans. Bon, voilà, bref. Après, je sais qu'il y a des vidéos qui pourraient être mieux travaillées. J'y travaille. Je fais aussi en sorte que ça soit plaisant. Après, voilà, j'essaye. Bon, voilà. En général, déjà, première chose, c'est les gens et ceux qui regardent beaucoup, enfin beaucoup la chaîne, qui regardent régulièrement. C'est grâce à vous, vous allez vous reconnaître, et ça, je le sais, dans le sens où c'est ça qui m'a motivé à continuer. Parce qu'au début, quand j'ai fait la chaîne, il y avait une volonté de faire la chaîne, il y avait une volonté de dire ce que j'ai à dire. Et premièrement, au début, bah, voilà, je me suis voilé à la face un petit peu en voyant ce que je faisais, ce qui ne me plaisait pas. Il y avait aussi pas mal de son qu'il fallait. Là, c'est mieux le son, mais on va améliorer ça. Et ensuite, bah, j'ai commencé la chaîne en janvier. Bah,
c'est un petit peu parti. Moi, je dis, on va continuer comme ça. On va pas lâcher, on va rien lâcher. Voilà. Et puis voilà, petit bilan. Je suis très content d'avoir la chaîne, bien que parfois il y a ces moments de doute où est-ce que je fais ces liens, où est-ce que je fais, est-ce que les gens comprennent aussi, pas forcément par rapport à ce que, par rapport à mon problème à la bouche, mais est-ce que mon message y passe de la bonne manière? Il y a diverses choses comme ça qui des fois je me pose des questions. Et puis des fois, j'ai toujours un petit commentaire qui dit, ah ouais, on y va, on fait, et puis on verra bien. Donc voilà. Petit message comme ça. Et je vous remercie aussi. Je ne réponds pas aux commentaires, mais je prends la peine dans cette vidéo de vous dire merci. Sincèrement merci. Pour ceux qui sont là, qui regardent, voilà. Et j'espère que ça vous fera que les vidéos vous plaisent toujours autant. Vraiment, et ça, je tiens à ce que vous sachiez un grand merci. Et j'ai pensé à un truc pour ceux qui seraient intéressés, une journée rencontre. Alors, j'y ai pensé, journée rencontre, en faisant une randonnée bivouac camping, ça peut être fait pour l'année prochaine. Moi, j'y ai pensé, ça peut être une super chose, ça peut être une chose vraiment très sympa. Pourquoi le faire? Parce que rencontrer les gens, c'est toujours mieux de se parler derrière un ordinateur. Pourquoi pas faire une journée rencontre, de mettre un truc en place? Alors j'y passe, ça peut être très compliqué à faire, ça peut être très 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 chaud à faire, mais tout est possible. Donc voilà, moi je vous dis ça comme ça. Maintenant vous prenez comme vous voulez, si vous voulez le faire. On prend contact, moi je vous donnerai mes contacts, on va dire entre guillemets privés, pour pouvoir mettre ça en place. Et comme ça, on pourra parler de survie, de rando, de camping. Et voilà. Moi j'y ai pensé, pourquoi? Parce que franchement, je pense que ça serait une putain de chose à faire. Ce serait même une superbe chose à faire. Et on pourrait vraiment partager un moment super, et deuxièmement pouvoir vraiment communiquer sur la survie, sur échanger nos points de vue, échanger plein de choses. Et moi franchement ça serait vraiment sympa à faire. Et donc moi je vous laisse le choix de prendre contact avec moi en message privé. Je crois que c'est possible via YouTube, je suis pas sûr, par mon Facebook si vous voulez. Je veux bien donner mes contacts, mais il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà. On s'y est en courant. Si vous êtes chaud, on essaie de prévoir un truc comme ça. Et si vous n'êtes pas chaud, bah, tant pis, on fera ça. Je ferai ça avec mes amis, mes fourmis. Bref, voilà. Non, mais ça peut être une bonne idée. On dirait tous quelque chose, que ce soit humainement. Sur le plan psychologique. Et puis voilà. Moi, je vous dis à bientôt, les amis. Portez-vous bien. Dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et je vous dis un grand merci. Ciao.